aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je me fende d'une petite vidéo parce que j'ai un Marshall. Alors vous allez me dire, bon, un Marshall, d'accord, mais c'est un espèce de canard boiteux, de truc, d'un ovni, fabriqué par Marshall en 79. Son numéro, c'est le 2959. Totalement inconnu dans les listes d'amplis fabriqués par Marshall. On ne le trouve nulle part. À part dans certains forums où on en parle. Et où on en dit aussi beaucoup de conneries. Donc celui-là, c'est un 2959. Je vous ferai des photos du numéro de série et des plaques. Oui, on dit beaucoup de bêtises dans les forums. Ce serait un ampli qui aurait été construit à entre 150 et 200 exemplaires. Ça, je veux bien croire, tout le monde est à peu près d'accord. Il aurait été construit entre 78 et 79. On lit souvent 80, 81 ou 82, je ne sais plus, mais non. Non, les numéros de série, enfin le numéro de série de celui-là, entre autres, est clair, c'est 79. Et à mon avis, comme ils ont lancé le JCM 800 début 80, celui-là, ils n'ont pas continué. Alors pour moi, cet ampli, c'est un prototype de JCM 800. Il a tout du JCM 800. On retrouve, je vous montrerai tout à l'heure, le circuit, l'électronique sur circuit imprimé. On a 4L34. C'est un JCM 800 avec une reverb, puisqu'on a une 12AX7 en plus pour driver le tank de la reverb Arsor. Sinon, tout le reste est exactement pareil. Il n'y a pas de master. Et puis voilà. Et encore, JCM 800, je crois qu'il y a un modèle avec reverb. Il me semble bien en avoir vu un passer. Je ne suis pas un spécialiste des amplis vintage. Moi, tout ce qui m'intéresse dans les amplis, c'est le schéma. Et puis voir si ça sonne bien. Donc, on a affaire à une rareté. Et on lit beaucoup de bêtises dans les forums. On lit par exemple que le transfo de sortie aurait été bobiné en spire jointive fil d'argent. Eh bien, je peux dire que c'est faux, parce que j'ai ouvert le transfo de sortie et c'est du cuivre. Et je suis sûr que le transfo de sortie est d'origine, parce que j'ai été voir les soudures sont d'origine. Donc il n'y a pas de question à se poser. Bon, sur celui-là, les capas ont été changés, les capas de filtrage. Hein, les 4 capas ici et puis une ici avec la self. On a typiquement un ampli Marshall, rien de particulier. Alors on dit aussi qu'il a été câblé avec des composants un peu de luxe. Je trouve pas, puisque moi j'ai regardé le circuit imprimé derrière, les soudures d'origine n'ont pas été touchées, sauf quelques condensateurs, mais ça se voit. Donc je vois pas du tout ce qu'il a de plus qu'un JCM 800, etc. À part sa rareté, donc ça fait la joie des collectionneurs. Donc voilà. Donc sur la face avant, il y a les boutons de présence, basse, middle, treble, reverb, volume 1, volume 2. Bon, il y a la reverb en plus hein, par rapport à... Et donc, il n'y a pas de bouton de master, il y a le standby, le power, et puis voilà quoi. Voilà. Donc, ne croyez pas tout ce qui se dit sur les forums à propos de cet ampli. Il n'y a pas de transfo bobinet argent. Hein. J'ai filmé quand je l'ai ouvert. Je vous mets ça en encart. Et puis bon, les composants, là,
je vais vous filmer ça avec la GoPro. Hop. On va éclairer un peu parce que la GoPro, c'est pas une flèche en basse lumière. Alors, et voilà. Alors, les condensateurs qui ont été changés, c'est les petits chimiques. Là, ici, là, là. C'est tout. Donc, 1, 2, 3, il y a 4 condensateurs chimiques qui ont été changés. Le reste est d'origine. Alors, il n'y a pas de, je veux dire, les condensateurs, là, ici, tous les MKP, etc. C'est ça, bon, bah, ça, c'est de la merdouille, hein, à 3 centimes. Il y a un moutarde qui se trimballe, là, ici, je ne sais pas ce qu'il fait, là. En tout cas, tout est d'origine. Il y a une chose que j'ai remarqué tout de même, c'est que, ils ont... Ah oui, il y a ces 13, là, ici, il va falloir que je regarde pourquoi, qui a été enlevé. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, cet ampli sonne tellement bien que je ne vais pas y toucher. Je l'ai réparé. Enfin, je suis en train de le réparer. J'attends les pièces. Mais il sonne superbement bien. Alors, ils ont mis... Alors, par rapport au JCM800, et encore, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont ça, il y a une plaque de fusible qui fout un merdier pas possible. Ça, c'est le défaut de ces amplis-là. À tel point que l'importateur canadien court-circuitait les fusibles. En fait, il y a 4 fusibles pour le chauffage des lampes. Et ces fusibles pètent continuellement, malgré qu'ils soient temporisés. Pour vous dire, donc moi j'ai remarqué, alors ça m'a fait une panne vache, c'est-à-dire que les fusibles hors tension était bon, court-circuit parfait. Dès que je mettais sous tension, j'avais 6,3 volts à l'entrée des fusibles et j'avais un petit 3 volts à la sortie. C'est-à-dire qu'en chauffant, leur valeur changeait et ils se prenaient pour des résistances carrément. Ce que j'ai fait, je les ai court-circuités. J'ai essayé de mettre un 10 ampères, mais un 10 ampères qui n'était pas temporisé, il pétait. Donc j'ai dit, bon, allez, de toute façon, sur le 6,3 volts, il y a un fusible général, il y a des fusibles partout pour la haute tension, etc. Ça va, quoi. Alors, il y a une future panne. Il faut que je le change, j'en avais pas. Le fusible de 500 mA sur le centre table du transfo, donc sur le point milieu du transfo, il y a un fusible. Il fait 4 ohms, donc celui-là, il va claquer aussi, hein, il n'y a pas de problème. Les autres, ça a l'air d'aller. Les autres, c'est... Alors, il y a un fusible pour le bias, la polarisation des... Il y a un fusible haute tension, 2 fusibles haute tension, un fusible général, et encore un fusible général avant le transfo. Je veux dire, bon, ça va, quoi. Quoi dire d'autre? Alors là, il y a un petit transfo, ici. Qui est pour piloter au pédalier la réverb et un boost de 6 dB. Qu'est-ce qu'il y avait comme panne là-dessus? Alors le switch de sortie de sélection des impédances. Alors sur cet ampli-là, il n'y a que 4 et 8 ohms, il n'y a pas 16 ohms. Il était mort, bourré de faux contacts. Donc pour l'instant, je l'ai court-circuité parce que j'ai pas la pièce. J'ai commandé chez Tubetone un contacteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a un potentiomètre de volume qui est inefficace jusqu'à 3. Ça part d'un seul coup. Donc ça, je vais le changer aussi. Code toujours, j'ai commandé, j'attends la commande. Il y avait un câble ici. Celui-là qui était complètement oxydé, plein de verres de gris. Et donc je l'ai recoupé, puis je l'ai ressoudé. Il était juste oxydé en sortie de gaine. Dans la gaine, il n'était pas oxydé. C'est un peu la maladie hein, de ces trucs-là, c'est que les câbles s'oxydent et ils finissent par se couper. Et celui-là, il tenait plus que sur 3 brins, et c'est la sortie HP. Donc vaut mieux faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, sinon, c'est tout. Hein. C'est le truc assez standard. Hein. Donc, pour moi, c'est le prototype du GCM 800.
Je vois pas d'autre chose parce qu'après, ben, les JCM 800, ils sont comme ça, quoi. Ils sont comme ça. Donc, franchement, je vois pas ce qu'il a d'extraordinaire, cet ampli. Alors, peut-être que sur les autres, ils ont pas mis le même type de condensateur. Mais enfin, bon, c'est l'histoire de 5 euros, 10 euros, quoi. Parce que ça coûte que dalle, ces condensateurs-là. Ils ont pas mis des condensateurs super... super chiadé à 15 euros le bout, non, ils ont mis quand même des trucs assez courants. Moi j'en ai plein les tiroirs, hein, des condensateurs comme ça. Donc, bon, pour, non, moi je vois rien de la bonne résistance, ces résistances-là elles étaient bien. Alors, quoi dire d'autre? C'est un redressement à diode, dommage, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, tous les amplis Marshall, à partir d'une certaine époque, c'est plus du redressement à diode. Hein. Il n'y a pas... Voilà, donc je vais vous mettre... Alors, il y a une étiquette. Voilà, alors l'étiquette... Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a marqué, bon, ben, 100 watts lead reverb. Il y a marqué, alors là, com ou rom... Je ne sais pas, ROME, C722, Assembly LIN, là ici AC Linda, la tagboard MA, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a de marqué. Il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout. Mais enfin, on voit de toute façon avec le numéro de série. Ici, qu'il date de 79, puisque c'est facile de dater les Marshall. On va continuer, j'ai fait des mesures dessus pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Donc je vais vous mettre un passage, bah j'ai filmé toutes les mesures. Donc je vais vous mettre ça après. Et puis si j'ai le temps, je vous ferai un test son, sinon j'en ferai un à part. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Pour moi, c'est un JCM 800, c'est un proto de JCM 800, voilà, qu'ils ont vendu. Alors pourquoi, ça, je ne sais absolument pas. Je ne sais pas du tout. S'il y a des spécialistes, ils pourraient peut-être en dire plus, mais moi, là. Wally Wallou. Donc, écoutez, à la prochaine, et puis portez-vous bien.